Jacques Chirac est né le 29 novembre 1932 à Paris. Jacques Chirac marchait à quatre pattes à deux jours, trottinait à trois jours et marchait à quatre jours. Jacques Chirac voulait être pompier ou coiffeur ou médecin. Jeune homme, Jacques Chirac est plus posé. C'est décidé. Il consacrera sa vie à son pays. Il sera homme politique, président de la République, de droite ou de gauche, ou d'extrême gauche, ou écolo, ou d'extrême droite. Bref, il sera président de la République. Qu'est-ce que je m'emmerde, moi ? Ah putain, 2 ans. Alors il y a un truc qui est étonnant, c'est les bambous. Vous voyez ce que c'est, les bambous? On n'y pense jamais, et pourtant, en définitive, c'est d'un décoratif. Et ça pousse, mais ça pousse à une vitesse. On les verrait pousser à l'œil nu. Je m'emmerde, c'est étonnant. Non, allez-y, c'est bien. Alors, les bambous, allez, allez. Oui, oui, les bambous. Qu'est-ce que ça bouffe comme eau, hein? Il en faut, hein? Sinon, ça devient tout jaune, tout sec. Et je peux pas, je peux plus, je m'emmerde. Ah, qu'est-ce que je m'emmerde! Le café, moi, c'est obligé. Ah ouais, court, sans sucre, comme ça. Juste le goût. Pareil, comme toi. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Vous n'avez pas le droit, je vais... Comme le disait monsieur le maire de Paris... Oh, putain! Nos rapports ne s'inscrivent pas et ne s'inscriront jamais dans un contexte de concurrence. Alors donc? Donc, je ne me présenterai jamais contre monsieur Chirac... Oh! Enfin, à la mairie de Paris. Oh putain, mais tu vas me lâcher avec ta putain de mairie de Paris, là? Ah, 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 une petite discorde, peut-être? Non, on se taquine. Pensez, on est amis depuis 30 ans. C'est vrai, des amis de 30 ans depuis 3 mois. Qui n'en veut, le rendez-vous des jeunes qui n'en veulent avec aujourd'hui mon gars Jacques Chirac. Bonjour Jacques, comment t'appelles-tu? Jacques Chirac. Et tu cherches un emploi de... Président de la République. Ah, nom de Dieu, président de la République. Et quelles sont tes motivations? Alors, ma motivation, c'est arrêter de m'emmerder. C'est où est-ce que je peux m'emmerder? Oui, c'est une bonne motivation quand on est un jeune gars plein de santé, hein, pour ainsi dire, plein de vie. Hein. Un gaillard, hein, une force de la nature, hein, y a pas d'autre mot. Ouais. Et tes autres motivations? En 2, faire chier l'Edouard. Compagnons, mangez des pommes! Monsieur Chirac, s'il vous plaît, je vous en prie, ce n'est pas un meeting, s'il vous plaît. Oui, mais putain, j'ai une patate en ce moment, moi. Je l'ai bouffé tous, j'ai la niaque, inouïe. Revenons à votre programme. Tout le monde dit que c'est un peu anachronique, un peu démago, pour dire le mot. Non, c'est pas démago, c'est y en a pour tous les goûts, quoi. Un patchwork, un peu comme un buffet campagnard. Y a tout en grande quantité pour tout le monde. Chacun prend ce qu'il aime autant qu'il veut. C'est ça, mon programme. Buffet campagnard, formule jusqu'à peu plus. Bonne liberté, Dactyac. Bonne liberté. Bonne liberté, Dactyac, de la part de tout le personnel de Dragon Impérial. Sympa, ça, hein? Sympa. Karaoké? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le cabane au Canada, blotti au fond des bois, il y a des écureuils sur le sol. Décidément, je comprends rien à la stratégie de Chirac. Alors, monsieur Chirac, les derniers sondages vous sont extrêmement favorables. Le dernier BVA vous donne même gagnant contre M. Balladur au deuxième tour à 59-41. Votre réaction? Content. Enfin, vous savez, les sondages, ça va, ça vient. C'est un instantané ponctuel, à un moment donné de l'opinion, un temps T. Excusez-moi une seconde. Oh putain, c'est bon! Un instantané. Oui. Et ça, c'est dans tous les sondages et dans tous les cas de figure contre tous les candidats. Ah oui? Putain.
La campagne est encore longue, il faut raison garder, tête froide conserver, et sa bouche point trop n'ouvrir. Voilà, pile poil. Excusez-moi une seconde. Ouais, putain, j'ai niqué couille molle! C'est un résultat R à un moment M donné D. Les résultats, c'est versatile, ça peut changer. Non, non, c'est définitif, vous avez gagné. Moi élu pour 7 ans? Oui, 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 oui. Moi, avec toutes les conneries d'avant que j'ai faites? Non. Si, 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 si. Oh putain, meuf, faut que je m'habille, moi. Belle Paul. Pas de chien-lit. Et maintenant, allons restaurer la grandeur de la France. Oui, oui, c'est ça. Je refais des essais nucléaires. Voilà. Voyez-vous, d'abord, je pense, au risque de passer pour un hurluberlu, que l'informatique est la technologie de l'avenir. Bah oui. Parce qu'il ne faut pas se le cacher. Le monde bouge. Et je ne serais pas étonné que d'ici à l'an 2000, toutes les entreprises se mettent à l'informatique. Oui, mais... Non, d'accord. C'est inéluctable. Hein. L'informatique, Darvor. L'informatique. C'est merveilleux. C'est un écran avec un clavier à part. Pour écrire, il n'y a qu'à cliquer sur un mulot et ouvrir des fenêtres. C'est la révolution. Monsieur Chirac, l'informatique, ça a 20 ans. Française, français, il y a 2 ans, vous m'avez accordé le forfait président. J'en suis content, merci. Alors, dans mon forfait président que j'ai, il y avait plein de trucs. Il y avait essais nucléaires, j'ai fait. Sympa. Il y avait aussi excursion à l'étranger. Là, bon, je profite, hein. Hein, maman, qu'on profite. Putain, oui, on profite, hein. Et là, il se trouve que dans mon forfait président, il y a aussi dissolution de l'Assemblée, comme je veux, quand je veux, le client est roi. Alors, hop, je dissous. Voilà, sans transition, je reçois messieurs Jacques Chirac et Lionel Jospin, son nouveau premier ministre. Bonsoir. Bonsoir. Quel camp. C'est Chirac, vous avez l'air un peu amer. Non, pourquoi? Je viens de prendre 15 millions de baffes, j'ai un peu les joues qui piquent, mais c'est vivifiant. C'est vrai que c'est un revers personnel. Un peu, oui. Je voulais dissoudre l'Assemblée, j'ai dissous la droite. Ah, putain, quel camp. Central, c'est Chirac à Bernadette. Sans les menottes, on est super à l'aise. Marché truqué, c'est nous. Les arnaques, c'est nous. Emploi fictif, ceux qui paient, c'est vous. Central, c'est Chirac à Bernadette. À la justice, nous, on préfère le pèse. Un tribunal peut, selon Noël Mamère, demander à vous entendre si un particulier se constitue partie civile. Non, d'abord, il y a une procédure. Imaginons que vous soyez un tribunal. Vous demandez à m'entendre. Demandez. Mais je... Demandez. Monsieur Chirac, je demande à vous entendre sur le financement du RPR. Bien. Chabit. On n'a pas le droit de retoucher son père et hop, je suis perché. Article 68 de la Constitution. Ah non, c'est trop facile, là. C'est la loi. Bon, imaginons que vous soyez maintenant un particulier. J'ai les deux pieds par terre. Vous avez le droit de me faire chabit. Oui. Faites-moi chabit. Non, non, ça va. Mais faites-moi chabit, c'est pour expliquer aux gens. Oui, mais non, je... D'abord, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous ordonne de me faire chabit. Bon, ben... Chabit. Vous avez le droit. Je suis touchable, a priori. Oui. Sauf que... Chacu annule chabit. Je suis libre et là, rechabit sur vous. On retouche pas son père et hop, je suis reperché. C'est comme ça que m'a défendu devant les parlementaires Madame Guigou, garde des sceaux. Le deuxième but français les a coupés dans les langues qu'ils avaient. Ah, ben ça, un arabe coupé, c'est pas nouveau. Oui, c'est pour détendre parce Allô? Que... Allô, what's up? Ah, rien, je regarde un match, je bois une bière. Et toi? Non. Just watching a game, having a bird. Attends. Allô? What's up? Boris! What's up? What's up? What's up?
Ça va pas, monsieur le président? Hein? Ah oui, ça va bien. Qu'est-ce qui vous arrive, alors? Ah, rien. C'est un truc de président, tu peux pas comprendre. Je suis donc avec Jacques Chirac, monsieur le président, comme d'habitude, on vous accuse de démagogie après votre séjour dans les dom-toms. Quoi? Ben oui, vous avez encore promis n'importe quoi pour faire le malin. Ben, qu'est-ce que vous racontez? J'adore les îles. Arrêtez. Ben, quand vous dites? Ah, moi, elle est là-bas. Moi, elle est créole, moi. Hein? Ah oui, pardon. Quand je m'énerve, je parle ma langue natale. Votre quoi? Ma langue natale, le créole. Non, bon, allons. Ah, moi, elle est Mayotte. Moi, il y a Québec. Arrêtez. Vous êtes né en Corrèze. Konya Mamao, la Corrèze. Je suis né dans les îles, Darvor. Moi, garçon des îles, enfin. C'est n'importe quoi. Les gens ne le savent pas, Darvor, mais jusqu'à l'âge de 15 ans, j'étais noir. Hein? Eh oui. Seulement, en arrivant en France, je me suis plié aux coutumes de la métropole. J'ai blanchi. Vous espérez vraiment qu'on va avaler ça, que vous êtes noir? Ben, franchement, oui. Les Français ont déjà gobé la fracture sociale. Ils ont avalé que j'étais écolo, que je m'intéresse à Internet. Et il y en a même qui croient que je suis président. Alors, faire avaler que je suis noir, je me dis, il n'y a pas de raison. Ça va être dur, hein, je vous assure. Ah ben, à la limite, je m'en fous. Parce que j'aurais eu l'air sympa, quand même. Et sympa, j'ai que ça. C'est très menteur. Amis médecins, Chirac vous aime passionnément. Chirac vous respecte, il augmentera vos honoraires de 500% et vous exonérera d'impôts pour 10 ans. Et il tombera malade 100 fois dans l'année pour arrondir vos fins de mois. Votez Chirac! Au revoir, supermenteur! Alors, les médecins... Non, non, c'est plus la peine, un supermenteur est venu, il a dit des choses super, docteur, tout est résolu. Non, zut alors, je l'ai encore raté. Mais qui c'est la petite bien-être, hein? Happy birthday to you, Mr. President. Happy birthday to... Merci, on n'en parle pas, c'est ça mon cadeau. Pour vos 69 ans, donc, vous pouvez pas dire pour votre anniversaire, plutôt, parce que les chiffres, les Français, ils comprennent rien. Joyeux anniversaire, Jacques. Oh, ma grand-mère, ça, ça me fait plaisir. Raison, trouvez ma mémé, dis donc. Monsieur Chirac, c'est votre femme. Ah bah tant pis. Jacques, j'ai retrouvé tous vos amis de terminale. Ah, génial. Salut, salut Jaco. Ah, t'as retrouvé mes profs de lycée, des dents, sympa. Non, Jacques, ce sont vos camarades de classe. Quel déconneur le grand, hein. Il a pas changé, dis donc. Tu te souviens quand on avait piqué la caisse de la cantine pour aller aux filles? Mais, sympa, maman. T'as trouvé que c'est de là, alors? Mais oui, les autres sont morts, Jacques. Ah, c'est gentil, au revoir. Le couple Chirac, elle, Bernadette, est la femme préférée des Français. Lui, Jacques, est le président de tous les Français. Ils sont tous les deux en aparté. Bonjour Jacques et Bernadette Chirac. Mettez-vous à l'aise, faites comme chez vous. Bonjour. D'accord, hein? Madame Chirac. Oui. Bah, asseyez-vous à côté de votre mari. Mais vous avez dit je fais comme chez moi. Alors je me mets à la cuisine et j'attends que Jacques ait faim. Monsieur Chirac? Et voilà, à l'aise. Elle marche pas la télé? Bah non, non. Qu'est-ce que vous faites? Bah, j'appelle le mec de chez Darty. Faut réparer ça, sinon on va s'emmerder, là. Prêt? Prêt! Bonjour, monsieur le boucher. Dites donc, elles sont bien belles, vos entrecôtes. Bonjour, dites donc, vous avez bonne mine. J'espère que le crayon marche aussi. Bonjour, la meme. Allez, la noiraude. Bonjour, la Marie. Non, corrézienne, je la connais depuis 20 ans. J'ai droit au palpage de fesses, hein. Accepté. Bonjour, eh ben, vous avez des belles miches. J'espère que votre mari a la baguette bien cuite. Merci, votez Chirac. Chirac! Vous faites un métier difficile. J'augmente vos salaires.
Bien joué. Tu vois. Là. Ah, merde. Eh oui, Chirac, c'est votre premier ministre. Bah oui, je le sais, pourtant. J'y arrive pas. Bon, on recommence au début. Tu me remets 6 balles, s'il te plaît? Aujourd'hui, Vie ma vie vous propose de suivre le ministre de l'Agriculture qui passera une journée dans un élevage de porcs en Bretagne. Le ministre du Transport vivre une journée de la vie de Dédé le routier. Et enfin, Jacques Chirac vivre la vie de Jean-François, un détenu de la prison de la Santé. Dingue ça, hein? Rien branler de la journée, regarder la télé et se balader dans la cour. Ah, vous auriez pu être président, vous. Pour vous aider donc à faire un choix le 5 mai, nous vous proposons de mieux connaître les deux candidats en lice. Tout d'abord, retraçons la vie de notre grand, beau, magnifique, resplendissant, svelte et élancé président Jacques Chirac. Issu d'un milieu extrêmement modeste, le petit Jacques Chirac apparaît très vite très doué. À 4 ans, l'année de son baccalauréat, il dirige le Front populaire et instaure les congés payés. Quelques années après, il étonne ses parents en libérant Paris du joug allemand. 2 mois après avoir découvert le vaccin contre la rage, il devient le premier coureur à gagner le Tour de France 6 fois de suite. Plus rien ne viendra démentir son succès. En 83, Jacques Chirac vend 32 millions d'albums avec Thriller. 84, il invente le TGV et le Minitel. Élu manager de l'année par le Wall Street Journal en 85, 89 et 92. Et prix Nobel de la paix l'année dernière pour son action en Irlande. Mais quelle vie, mes enfants! Bon, maintenant voyons la vie de l'autre, là. Et dans moins de 10 minutes, maintenant, nous connaîtrons le nom du futur président. On va gagner, les amis! Oui, on va gagner, monsieur Chirac. Hein, on va gagner, mes nouveaux amis que j'ai. T'as confiance, hein? T'as voté pour qui? Jacques Chirac. Ah, pour t'amuser sur le bon cheval. Hein, Robert, qu'on va gagner? Génial. Et ce sera un peu ta victoire, hein? Parce que t'as voté... Attends, me dis rien. Chirac. Voilà, oui. On est en finale, on est en finale, on est en finale. Il est presque 20h, voici les résultats. Chut, attendez, calmez-vous un peu, attention. Suspense. Monsieur Chirac est réélu. Et maman, c'est lui le président de la République? Oui, mon chéri, bien. Lui, c'est le président de la République. Et lui, il a réussi à être président parce qu'il est gentil et qu'il a bien travaillé. Ah non, Lucas, lui, c'est parce qu'il a le cul bordé de nouilles. Je suis donc avec Jacques Chirac. Monsieur Chirac, hier à Johannesburg, votre discours sur l'état de la planète a étonné tout le monde tellement il était à gauche. En tout cas, ça a bien marché. Ils auraient adoré là-bas. Mais vous êtes plutôt de droite, non? Ouais, ben faut pas être con non plus. J'avais un public de pauvres, je me suis adapté. J'arrêtais au Brésil, je parlais football. Même Nelson Mandela était sous le charme. Ah, Nelson, c'est un vieux pote, je l'adore. C'est mon idole. Hein. Pourtant, c'est tout l'inverse de moi. Hein. Lui, il a fait 23 ans de prison et après, il est devenu président. Et? Ben moi, j'ai été élu président d'abord. Et j'espère que ça va durer 23 ans. Mais, revenons à votre discours. Vous allez travailler pour mettre en œuvre votre projet pour l'avenir de la planète. D'abord, est-ce qu'il m'est déjà arrivé une fois dans ma carrière de dire des choses et de ne pas les faire? Non, mais en Afrique, je veux dire. Ah, en Afrique? Ah non, là, je sais pas. Revenons tout d'abord sur le voyage de Jacques Chirac en Italie, un voyage où l'on a découvert que les deux présidents, Chirac et Berlusconi, étaient super copains, en fait. Hé, Zach, on est pareil, non? On est intouchables, tous les deux, non? Ah ouais. Pareil, intouchable. On fait comme on veut. On les a bien niqués, les juges, non? Tu m'étonnes. Peinard au moins 5 ans. Tu rigoles. Beaucoup plus, Monzaco. Et en plus, tous les deux, on a gagné grâce à l'extrême droite, non? Ta gueule, quand même. Voilà, je suis donc avec Jacques Chirac, qui rentre tout juste du Maroc. Oui, et je suis à peine arrivé que j'ai déjà le mal du pays. Je comprends pas. Bah, le Maroc me manque d'avoir mon pays. Vous n'êtes pas marocain. Si, vous voulez que je vous montre mes papiers? Bah, allez-y, oui. Et voilà, le racisme ordinaire. Dès qu'on voit un arabe, on lui demande ses papiers. Mais ça pas, non? Mais si. C'est pour ça qu'on a du mal à s'intégrer en France, nous les Chibani.
J'ai bien mieux dans mon pays. Oui. Vous êtes tombé amoureux du Maroc ou quoi? Vous savez, d'abord, chez nous, au Maroc, la vie est simple. Une paire de babouches, une djellaba, un thé à la menthe et hamdoullah. On fait rien, on se repose à l'ombre et on profite de la vie. Oui, mais vous faisiez déjà ça en France. C'est vrai, mais ici, on me jugeait. Probablement en raison de mes origines maghrébines. Je subissais la discrimination. On me regardait de travers. Non, ça c'est surtout parce qu'on attendait autre chose d'un président. C'est ça, ouais. Je sais pas bosser, j'ai fait du travail d'arabe. Bonjour les clichés, hein. Voilà, si je suis venu ici, c'est que... C'est pas facile à dire. Eh ben, c'est la dernière fois qu'on se voit. On aurait venu, j'ai fait mon temps. Oui, je sais, on a passé de bons moments ensemble, mais le temps est venu pour moi de vous dire adieu. Mais avant de vous quitter, le cœur lourd, je voudrais vous demander un petit service et vous mettre en garde. Celui qui veut prendre ma place, je le connais bien. Il n'est pas sincère. Il va venir vous voir pour vous flatter, mais il n'en pensera pas un mot. Il ne vous aime pas. Ah, t'attends quelqu'un, maman? Non, Jacques. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tiens-toi! Mais enfin! Ma voiture! Ma voiture! Ça va pas, non? Mais qu'est-ce que vous voulez? Démarre! Démarre, je dis! Alors, maman, c'était quoi, là? Un recommandé. Mon colis de la Redoute est arrivé à la poste. T'es sûr, hein? Y a pas de convocation chez les juges, rien? Non, je suis sûr. Vous pouvez rentrer. J'arrive. Allez, adios les bananas! À demain! Ah, 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 que... La dagaille, hein? Question de Madame Lagarde de Lyon. The Incredible Module, et que votre pilote, disiez-vous, est de vendre du... Jacques, ça sent très fort, les saucisses. Ah, c'est Larissa qui sent fort. Jacques, le Conseil constitutionnel, c'est sérieux. On doit travailler. Bah, attends, Jean-Louis, tout le monde sait que c'est une planque ici, hein. Sinon, je serais jamais venu. Et le dossier que je vous avais confié? Hein? Ah bah désolé, il a servi d'amorce pour le barbecue. Par contre, les merguez sont prêtes. Wonderful baby, living on love. The Sandman says maybe he'll take you above. Up where the girls fly on ribbons and bows. Where babies float by, just counting their toes. Wonderful baby, nothing but new. The world has gone crazy. Oh. I'm glad I'm not you. C'est... Ce met bière? Ce met bière? Ah, un jour j'oublierai ma tête, moi. Eh, putain, 30 ans. When my body won't hold me anymore, and it finally
sets me free, will I be ready? When my feet won't walk another mile and my lips give their last kiss goodbye, will my hands be steady? When I lay down my fears, my hopes and my doubts, the rings on my fingers and the keys to my house with no doubt.